C'est donc tout naturellement en tant qu'avocat, mais également en tant qu'homme, qui sait ce qu'il doit aux siens, à tous ceux qui luttent, quelle que soit leur origine et leur couleur de peau, que je suis venu me porter à ses côtés. Et c'est donc naturellement que vous m'avez voulu arrêter. Moi, comme d'autres confrères et consoeurs, comme tant de journalistes, comme tant de citoyens. Car vous savez les reconnaître, monsieur le procureur. Les hommes qui disant non menacent vos intérêts. Je suis venu vous le dire, monsieur, que vous pouvez arrêter un homme, mais que vous ne pourrez rien contre la vague et le ressac qui viendront par la suite vous frapper. Nous sommes les héritiers et les ancêtres d'une longue lignée d'êtres qui ont ouvert leurs portes et qui ont ouvert toutes les portes aux sœurs et frères qui tremblaient. Votre barbarie, ni votre sauvagerie, votre obsession du pouvoir et de l'indécence, notre souveraineté et notre liberté. Un mot. Le disant que nous sommes là pour eux et que nous sommes honorés d'être à leur côté. Non, c'est la dictée.